Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un coulibiac de saumon et sa sauce beurre blanc. Pour les ingrédients, il vous faut une pâte brisée de 200 g, vous avez la recette sur ma chaîne, 350 g de saumon, 100 g de riz qui est déjà cuit, 3 œufs durs, un poireau émincé, et pour le beurre blanc, il vous faut une échalote ciselée, 90 g de beurre, du sel, du poivre et 20 centilitres de vin blanc. Nous allons commencer par cuire les poireaux. Avec du sel et du poivre. Vous mélangez bien pour l'assaisonnement. Une fois que vos poireaux sont cuits, on va les débarrasser. Sur un plan de travail fariné, nous allons étaler la pâte. Vous tournez toujours un quart de tour. Une fois que vous avez étalé votre pâte de cette façon, vous la laissez reposer le temps de préparer le saumon et la garniture. Allumez votre four à 200 degrés. Maintenant, on va passer au saumon. Donc, on va enlever la peau, vous passez comme ça. Vous suivez le long. Tenez la peau, faites glisser votre couteau. Après, on va dédoubler le saumon. Faites attention à vos doigts. Vous voyez, je passe comme ça au milieu. Saumon est prêt. Dans un saladier, nous allons mélanger les poireaux et le riz. Nous allons passer au montage. Donc, avec votre pâte, nous allons mettre le mélange riz et poireaux. Vous faites un petit rectangle bien uniforme. Ensuite, nous allons mettre les œufs bien au milieu, ainsi que le saumon. Vous assaisonnez avec du sel et du poivre votre poisson. Nous allons replier. Et maintenant, vous enfournez pendant 30 minutes. Pendant que le coulibiac est en train de cuire, nous allons faire le beurre blanc.
Alors, vous allez mettre votre échalote. La moitié des 20 centilitres de vin blanc. Et vous allez faire réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de vin blanc. Voyez, il n'y a quasiment plus de vin blanc. Donc, vous sortez du feu, vous mettez du beurre petit à petit, vous fouettez, vous allez voir, la sauce va monter tout doucement. Maintenant, vous mettez du sel et du poivre et votre beurre blanc est fini. Le coulibiac est cuit, voici une idée de présentation. Si la recette vous a plu, un petit pouce, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne en vous abonnant et bon appétit à tous!